Nous avons été invités par la Première ministre pour échanger autour des enjeux de l'ère, notamment la formation du gouvernement. Et comme vous le savez, notre formation politique, notre regroupement politique ACPA, s'en est tiré avec 13 députés lors des élections de 2023. Il était tout à fait normal que nous soyons associés à tout ce qui se passe actuellement et surtout concernant la formation du gouvernement. Bon, nous avons été édifiés par la Première ministre qui nous a parlé de la taille du prochain gouvernement. Il nous a également parlé des six engagements majeurs du président de la République concernant son deuxième mandat. Ben, à notre tour, comme vous le savez, sa nomination en tant que la toute première ministre femme dans notre pays est un événement majeur pour lequel on ne pouvait pas passer sous silence. Nous l'avons félicité à travers les ondes. Et là, aujourd'hui, l'occasion faisant les larrons, nous lui avons félicité de visu. Et nous lui avons souhaité également nos vœux de réussite pour son mandat. La Première ministre nous a parlé des profils et nous a suggéré de proposer à chaque fois 3 noms pour chaque poste. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Et nous a donné des orientations pour s'y faire. C'est ce qu'on va faire. On a besoin pour nous de commencer à tout divulguer, mais tel qu'elle a donné des orientations assez claires quant à ça. Je pense que le problème des temps ne va pas s'opposer, dans la mesure où la Première ministre nous a donné un deadline, donc nous avons jusqu'à jeudi, donc nous avons pratiquement 48 heures pour remettre nos listes.